Des profs super intéressants et la polyvalence des cours. C'est vraiment la force de la formation que j'ai eue en gym. J'en garde un très bon souvenir. C'était intense, mais c'était sympa, vraiment. Mon domaine d'activité, c'est bien le système d'information. Je travaille dans le secteur de l'informatique. Je travaille dans la maintenance, en particulier la maintenance des ascenseurs. Je suis parti plutôt dans le management des organisations et la qualité. J'ai commencé par travailler dans le secteur informatique dans une société, un grand groupe sur Lyon. J'ai fait 3 années d'alternance, donc une première année que j'ai réalisée à la SNCF. J'ai continué encore en alternance. J'étais dans une entreprise de pharmaceutique. J'ai d'abord eu un bac S, ensuite j'ai fait 3 ans à l'ENI de Brest. J'ai choisi d'intégrer l'ISTP en alternance, où j'ai travaillé donc et fait mes études pendant 3 ans. J'ai fait bac S, spécialité mathématiques et physique. Et puis j'ai fait un DUT gym. Et puis après j'ai fait une licence professionnelle spécialisée dans la qualité et la logistique dans le domaine de la santé. J'ai fait un bac STI. J'ai ensuite fait la section gym à l'IUT à Rouen. Je me suis orienté sur une formation commerciale où j'ai fait mes 3 années en école de commerce pour obtenir mon bac plus 5. J'ai fait un bac STI génie mécanique à Carnot, à Rouen. Suite à ça, j'ai continué donc en DUT gym ici à Rouen. Donc j'ai fait une licence professionnelle en management intégré QSE que j'ai enchaîné avec un master professionnel. J'en garde un très bon souvenir parce que ici on bénéficie de beaucoup d'accompagnement. C'était une formation où j'ai pu toucher un petit peu à tout. Moi, c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup. C'est quand même une formation qui m'a permis d'acquérir un bagage technique assez conséquent. On a eu des profs super intéressants et la polyvalence des cours m'ont permis en fait de continuer facilement après.